Je vous propose, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien prendre place? Ça fonctionne. Oui, je prends. Bien. Monsieur le directeur général, chers amis de la FGTB, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Université libre de Bruxelles pour cette leçon inaugurale de la chaire FGTB, enjeux socio-économiques contemporains. Je voudrais juste très brièvement rappeler un peu l'historique de cette chaire qui, comme vous le savez, ce n'est pas une chaire pour convier l'ensemble des étudiants à adhérer à une organisation syndicale, mais c'est l'idée de permettre qu'à l'intérieur du cursus que vous suivez, il puisse avoir un moment qui est une chaire ouverte et où on peut ouvrir une réflexion sur deux thèmes en général, qui est celle de l'économie contemporaine d'une part, mais perçue aussi de manière non orthodoxe, et puis souvent aussi des thèmes sur la mobilisation sociale, sur les mouvements syndicaux ou sur le travail, ce qui va être l'occasion de cette séance de cette année-ci, de cette édition-ci de la chaire FGTB. Alors, c'est vraiment, je pense, important à la fois pour l'université et je suppose aussi pour la FGTB de pouvoir convier à l'occasion de cette chaire des experts étrangers qui sont souvent donc spécialisés dans un certain nombre de domaines qui sont d'ailleurs pas toujours traités dans les cours qui vous sont proposés. Donc c'est une plus-value, je dirais, importante par rapport aux cours qui vous sont proposés, une ouverture aussi, puisque la plupart du temps, les personnes qui sont nos orateurs invités, et aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir Maud Simonet, sont des personnes qui, encore une fois, ont une spécialisation neuve et qui peut apporter quelque chose, je pense, de neuf par rapport à l'enseignement que vous recevez. Je cède la parole à présent à Philippe Van Mulder, président de la FGTB, et je la reprendrai ensuite pour présenter notre oratrice de ce soir. Monsieur le directeur général, monsieur le doyen, chères étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, en 2004, Jacques Attali disait ceci. La gauche n'est presque plus rien d'autre, partout dans le monde, qu'une agence de placement de quelques talents distillant des mots d'esprit à l'usage des caméras. Voilà pour le constat. En termes de solutions, Attali écrivait un petit ouvrage, « La voix humaine », dans lequel il décrivait un futur extrêmement noir, celui d'une société de marché où prime la déloyauté et l'inégalité, étape vers une société de marchandises où l'on ferait commerce de tout, les corps, les idées, les passeports, les sentiments. En réponse, il développait le projet d'un autre monde, érigeant comme priorité la qualité du temps dans le travail et hors de lui, pour promouvoir une société de la gratuité, du savoir et de la responsabilité individuelle. Et très concrètement, il écrivait ceci. Bien des métiers marchands pourraient être remplacés progressivement par des activités gratuites et bénévoles, ce qui pourrait réduire la nécessité de disposer d'un revenu pour en disposer. Bon, c'est la vision de Jacques Attali. Mais le mot est lâché, gratuité. Et c'est bien lui qu'interroge depuis plusieurs années, dans une perspective originale de sociologie du travail, Madame Maud Simonet, qui honore ce soir de sa présence l'université de notre région et la FGTB. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'une accusation purement gratuite est une accusation absurde ou injustifiée. Vous savez aussi qu'une consultation gratuite, par exemple une consultation d'un médecin ou d'un avocat, une consultation gratuite est une consultation dont on jouit sans payer. Eh bien, entre l'absurde et la jouissance, il nous reste à situer le travail. Merci à vous, Madame Simonet, de nous y aider et bon travail à toutes et à tous.
Je vais aussi inviter Maud Simonet à me rejoindre au pupitre, juste en la présentant comme brièvement. Donc, Maud Simonet est sociologue, chargée de recherche au CNRS. Elle dirige le Centre de recherche institution dynamique historique de l'économie et de la société à l'Université de Nanterre-Paris. Elle est aussi membre du comité de rédaction de deux revues, la Société contemporaine d'une part, et d'autre part aussi Travail, Emploi, Formation à l'Université libre de Bruxelles. Elle est par ailleurs aussi membre d'un certain nombre de réseaux importants de sociologues et de sociologie du travail. Je voudrais, mais puisque Philippe Van Wolder l'a déjà énoncé, quand même souligner l'originalité du travail et du thème qu'elle aborde et qu'elle a abordé dans sa thèse de doctorat, qui portait aussi sur une analyse comparée de la pratique bénévole en France et aux États-Unis, en se posant des questions sur ces différentes modalités que va prendre le travail bénévole, le volontariat, mais aussi le workfare et le digital labor qui se développe et qui est toujours difficile aussi d'une certaine manière à identifier puisqu'il est à la fois de l'engagement citoyen et souvent aussi de l'exploitation du travail gratuit. À cet effet, je me permettrai donc de aussi montrer les deux ouvrages qu'elle a publiés, l'un qui est issu de sa thèse qui s'appelle « Le travail bénévole et justement engagement citoyen et travail gratuit », et puis aussi un ouvrage sur la comparaison entre la France et les États-Unis qui est « Who cleans the park, public work and urban governance in New York City », qui est une comparaison vraiment très intéressante sur le travail dans les parcs que réalisé à la fois dans les deux villes et qui interroge de nouveau ces nouvelles modalités de travail qui est à la frontière entre l'exploitation et d'autre part l'engagement citoyen dont on parle beaucoup. Je lui cède la parole, bien volontiers. Je la remercie encore d'avoir accepté d'être ici parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui et toute cette semaine. Donc je remercie vraiment très sincèrement celles et ceux qui m'ont invitée, Corinne Gobin, Esteban Martinez, l'ULB, la FGTB. Je suis très fière et très heureuse de pouvoir intervenir devant vous dans le cadre de cette chaire syndicale sur des questions, enjeux économiques et politiques contemporains, économiques et sociaux contemporains, et j'ai choisi d'intituler cette série de conférences « Formes et enjeux contemporains du travail gratuit ». Alors j'espère vous en convaincre au cours de ces quelques jours. Je crois que cette question est une question cruciale aujourd'hui pour les analystes du travail, sociologues et économistes. Je crois aussi que ce n'est pas simplement une question scientifique ou une question sociologique, je crois que c'est aussi une question sociale importante, et donc j'espère au cours de cette semaine vous en convaincre, et importante notamment pour les organisations syndicales dont la mission est de défendre, de protéger les intérêts des travailleuses et des travailleurs, mais aussi une question critique, cruciale, pour les étudiants que vous êtes, qui sont pour certains d'entre vous déjà sur le marché du travail et ceux qui n'y sont pas, qui vont bientôt y rentrer. Donc je crois que cette question du travail gratuit, c'est une question qui me semble une question importante à attraper comme on peut sociologiquement, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui de manière globale et puis ensuite par le menu, un menu que je vous présenterai tout à l'heure. J'avais envie, en fait, pour commencer mon propos et pour l'illustrer un petit peu, de démarrer par une série de photographies que je vais vous commenter. Donc, voilà celle-là, c'est un petit kaléidoscope que j'ai construit à partir de plusieurs photos. Alors on voit quoi sur ce kaléidoscope? On voit des gens avec des gilets, donc de couleurs différentes, hein, vous voyez, des oranges, des bleus, des jaunes, et qui sont tous en train de nettoyer des parcs ou des rues. Donc, ces photos se ressemblent beaucoup, et pourtant, derrière la diversité des gilets et des couleurs des gilets, en réalité, ces photos sont prises dans des lieux fort différents. Certaines sont prises à Paris, d'autres à New York, d'autres dans des petites communes rurales françaises. Et surtout, les statuts sous lesquels ces différentes personnes sont en train de nettoyer ces parcs, ces jardins ou ces rues sont extrêmement différents. Et pourtant, ils ont tous en commun
de ne pas être rémunérés pour cette activité de nettoyage qu'ils sont en train de faire. Alors, ici, vous avez des bénévoles d'une opération qui a été montée par la mairie de Paris qui s'appelle Paris fais-toi belle et qui propose donc aux habitants parisiens de venir nettoyer les rues et les parcs de la capitale avec l'aide de certains employés municipaux. Ici, vous avez une opération qui s'appelle Clean Up Days, et pourtant on est à Paris, hein, on est à Paris autour du canal Saint-Martin, et cette opération-là, elle est montée par une association qui s'appelle la Maison du Canal, avec des bénévoles aussi. Et c'est cette opération-là, des Clean Up Days, qui a lieu plusieurs fois par an, qui a donné l'idée, en fait, qui a inspiré la mairie de Paris pour mettre en place l'opération Paris fais-toi belle. Ici, vous avez des jeunes en service civique. Alors, le service civique, j'en reviendrai très longuement, très largement là-dessus, mais pour en dire deux mots, le service civique, c'est un statut donc de ce qu'on appelle en France volontariat. Alors, je reviendrai sur les termes parce que je sais que vous utilisez volontariat dans un sens différent. En France, on appelle volontariat une activité à temps plein sur une durée définie qui a lieu essentiellement dans une association, mais aussi de plus en plus dans des collectivités locales ou dans des municipalités. Donc, un engagement à temps plein pour une durée déterminée et qui ouvre droit à une petite indemnité et à la prise en charge de certains droits sociaux. Donc, on a eu en France plein de statuts du volontariat, j'y reviendrai en un temps très court. Le dernier en date, c'est le service civique. Il me semble que vous avez aussi, on en rediscutera, des formes de service civique qui ont été mises en place en Belgique. Donc, ces jeunes, ce sont des jeunes en service civique pour une collectivité locale et qui sont donc chargés de nettoyer aussi cet espace vert. Là, je vous fais traverser l'Atlantique et là, on est à New York et je vous fais un petit peu traverser le temps aussi parce qu'on est à New York plutôt, à mon avis, dans les années 90. Et ces gens qui sont en train de nettoyer la rue sont des allocataires de l'aide sociale qui sont contraints de donner des heures de nettoyage à la ville pour continuer à toucher leurs allocations. C'est un système qui s'est mis en place aux États-Unis, dans l'ensemble du pays, on y reviendra aussi. En 96, c'est la réforme de l'aide sociale qui a été mise en place par Bill Clinton, et on a appelé ça le « workfare », donc l'idée qu'il faut allier l'aide sociale, le « welfare », au travail, le « work ». Donc on a créé ce néologisme. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place sur l'ensemble des États-Unis en 96, mais qui en réalité existait dans pas mal d'endroits, et notamment à New York, qui était une ville pionnière en la matière, qui avait mis en place dès les années 80 des programmes de « workfare ». Et ces gens-là sont dans l'un des premiers programmes en fait, de workfare des États-Unis, qui s'appelle le Work Experience Program. Et donc, pour continuer à toucher leur allocation d'aide sociale, ils doivent des heures de travail gratuites à la ville. Et ici, donc, une grande partie d'entre eux se sont retrouvés dans des activités de nettoyage pour la municipalité, soit des parcs, soit des rues. Là, on retraverse l'Atlantique, et là, on est dans une petite commune rurale du nord de la France. Et les deux messieurs que vous voyez là sont aussi à l'aide sociale en France. Ils touchent le RSA, le revenu de solidarité active, qui est donc un minimum garanti, un minimum pour les personnes qui n'ont plus de ressources, hein, qu'on peut toucher soit quand on n'a rien d'autre comme un revenu socle, soit en complément de formes de revenus qu'on peut toucher par ailleurs. C'est un revenu, donc ce RSA est distribué par les départements. Et là, dans la commune où ils sont, la municipalité a proposé des contrats de bénévolat aux allocataires du RSA. Et donc, ces deux messieurs ont signé des contrats de bénévolat et ils nettoient donc gratuitement. Donc, ils ne sont pas payés pour ça. Ils touchent leur allocation de RSA, mais ils sont donc invités à venir nettoyer les parcs et aussi les rues de la municipalité. Dernière photo. Là, je vous fais encore retraverser l'Atlantique et je sors des parcs, des jardins et du nettoyage. Je vous emmène dans un tout autre type d'activité. Là, on est donc aux États-Unis. Et ce que je vous montre là, c'est une pancarte d'une campagne syndicale qui a été mise en place par le National Writers Union, qui est un des grands syndicats américains pour les écrivains, donc qui s'occupe du droit, en fait, des écrivains. Et en fait, cette campagne
Working Writers Need to be Paid. La campagne s'appelait Pay the Writers, donc payer les écrivains. Et cette campagne a été mise en place par ce syndicat en 2011, à l'issue d'un boycott de 6 mois qui a été soutenu par ce syndicat. Boycott qui a été mis en place par les blogueurs du Huffington Post. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de cette histoire, parce qu'il y a eu pas mal de bruit dans les médias là-dessus. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le Huffington Post, donc il y a un journal en ligne qui existe maintenant dans beaucoup de pays. Hein, il y a des versions dans chaque pays. À l'époque, je crois que c'était surtout le Huffington Post américain qui était en place en 2011. Et donc en 2011, le Huffington Post américain est vendu par sa présidente, par sa directrice, pardon, fondatrice, Arianna Huffington, est vendu pour 315 millions de dollars à AOL, American Online, donc une grande entreprise de médias et de communication. Donc c'est vendu 315 millions de dollars à AOL, sauf que le Huffington Post fonctionnait à ce moment-là, donc en février 2011, au moment où il est vendu, avec moins d'une centaine de salariés, et moins d'une centaine parmi ces salariés, ils sont loin d'être tous journalistes. Et par contre, le journal fonctionnait grâce au travail de 9000 blogueurs bénévoles, donc, qui n'étaient pas rétribués donc, pour leur participation à l'écriture pour ce journal. Et au moment donc, où le journal est vendu pour 315 millions de dollars, il y a une mobilisation d'une partie des blogueurs, d'abord une grève qui est lancée par certains d'entre eux, ensuite un boycott, et enfin, une class action, comme on dit aux États-Unis, donc une action en nom collectif, où en fait, une partie des blogueurs vont attaquer les fondateurs et dirigeants du journal en disant « Vous avez vendu pour 315 millions de dollars un journal dont la valeur a été produite par nous, alors qu'on n'a jamais rien touché contre notre participation. Donc, on demande que nous soit rétrocédée une partie de la valeur de ce journal, et ils estiment à un tiers au moins leur contribution. » Donc, ils vont faire une attaque en nom collectif qui va faire beaucoup de bruit et ils vont perdre ce procès. Alors, ce que je vais vous proposer de faire tout au long de ces différentes séances, c'est de penser ensemble ces différentes formes de travail non rémunéré et d'autres encore, dont je ne vous ai pas montré les photos, d'essayer d'analyser ce qu'elle nous montre du marché du travail, de son fonctionnement, de ses politiques, de ses transformations, de ses évolutions. Je me propose en fait de revenir à la fois sur les formes et les enjeux du travail gratuit aujourd'hui, en faisant en quelque sorte le pari, hein, c'est le pari que je vous propose, qu'en les éclairant, ces formes de travail gratuit, en les rendant visibles, en fait, puisqu'elles sont pour l'essentiel d'entre elles invisibles, on va mettre en lumière un aspect peu connu des pratiques et des politiques du travail aujourd'hui. Donc je vous propose en fait de regarder le travail par sa face gratuite. Et avant de préciser comment je vous propose de le faire dans le détail, de vous montrer un peu le menu finalement de ces différentes séances, qui vont permettre de voir des formes différentes de travail gratuit, eh bien, je voudrais revenir un petit peu sur ce terme que je vais utiliser ici, que j'utilise déjà, de travail gratuit. Vous dire un petit peu ma manière de l'utiliser, parce que je pense qu'il y en a plusieurs et que je ne prétends pas que c'est la seule ou que c'est la meilleure, mais c'est la mienne, c'est celle que je vais utiliser dans ces différentes séances, et qui n'est pas tant en fait une définition stricte, une catégorie dans laquelle on pourrait rentrer ou pas des pratiques, ça c'est du travail gratuit, ça n'en est pas, vous allez voir, ce n'est pas comme ça que je raisonne. En fait, c'est davantage un opérateur d'analyse, des lunettes que je vous propose de chausser pour regarder les transformations du travail. Donc je vais revenir un peu sur ces deux termes, pourquoi parler de travail finalement, et pourquoi parler de gratuité, jusqu'où, en quoi, et pour qui on peut parler de gratuité ici. Et je vais faire ça en revenant plus spécifiquement sur les travaux qui ont été les miens. Je pourrais partir finalement de définition théorique par le haut, mais j'ai choisi de vous montrer comment ces notions de travail et cette question de la gratuité sont apparues dans mes propres recherches pour vous montrer un petit peu au plus près finalement du processus de recherche comment ces questions se sont construites. Alors pourquoi parler de travail ici? C'est vrai, pourquoi parler de travail? Monsieur le doyen l'a dit tout à l'heure, j'ai fait ma thèse sur le bénévolat en France et aux États-Unis, donc c'est la pratique
finalement dans celle thèse que j'ai faite en 2000, donc ça commence à dater. J'ai jamais lâché complètement cet objet, donc c'est l'objet que je connais le mieux, on va dire, dans tous ceux que je veux vous présenter aujourd'hui. Pourquoi parler de travail, finalement, quand on parle de bénévolat? Pourquoi pas parler d'activité? Pourquoi pas parler d'engagement? Pourquoi pas parler de citoyenneté? Pourquoi aller chercher, finalement, cette notion de travail? Et donc, je vais vous proposer de vous expliquer ce qui m'a conduite, en fait, au fil de mes enquêtes à parler de travail et à proposer une sociologie du travail bénévole. Et ça va donc me permettre, comme je vous l'ai dit, de vous présenter un petit peu plus mes travaux. Alors, cette thèse que j'ai faite sur le bénévolat à la fin des années 90, hein, début des années 2000, bénévolat en France et aux États-Unis, au départ, quand je démarre, je l'inscris vraiment dans la question de l'engagement bénévole. C'est cet objet-là qui m'intéresse, c'est cette approche-là que j'ai de la question du bénévolat, la question de l'engagement, des mouvements sociaux. C'est cette entrée-là qui motive mon choix de comparer la France et les États-Unis en m'inscrivant un peu dans la lignée de l'héritage tocquevillien, hein, qui nous présente finalement le modèle de démocratie américain construit sur cet engagement bénévole, cet engagement des citoyens, hein, qu'on met beaucoup en avant, hein, l'idée que l'Amérique c'est « a nation of joiners », donc un pays où les gens finalement s'unissent sans cesse, dira Tocqueville. Et Tocqueville est parti donc, hein, en 1840 en Amérique, parler de l'Amérique, mais en parlant de l'Amérique, il nous parle aussi de la France, et donc il compare finalement ce modèle américain à ce modèle français. Il nous dit en gros, partout aux États-Unis, vous verrez une association, gagez que vous trouverez en France l'État. Donc il a cette idée que voilà. Et cet héritage tocquevillien, moi je suis complètement imprégnée de ça au départ, je me dis très bien, je vais aller comparer l'engagement bénévole en France et aux États-Unis en restant dans cette lignée-là. Vous verrez que j'en suis revenue de Tocqueville et que je l'ai même fortement critiqué. Donc, je n'ai pas beaucoup fait honneur à la bourse Tocqueville que j'ai eue pour faire ma thèse. On y reviendra. Mais en tout cas, je suis partie de ça. Et donc, dans ma thèse, j'ai effectivement traité cette question de l'engagement bénévole, d'autant donc du bénévolat comme une forme de participation politique. D'autant qu'au moment où je fais cette thèse, dans les années, fin des années 90 en France, il y a un débat qui est très fort dans la sociologie politique autour des transformations du militantisme, des transformations des formes de participation politique. Et le bénévolat, et derrière le bénévolat associatif, hein, les associations sont mises en avant comme le nouveau modèle, les nouvelles formes de participation politique, qui viendrait finalement supplanter la participation partisane ou la participation syndicale qui serait désaffectée. Donc on est dans cette idée que finalement l'engagement associatif c'est un nouvel âge de la participation politique. On assisterait, en tout cas les sociologues se posent la question, à la fin des militants. La fin des militants c'est un ouvrage de Jacques Yon qui va sortir dans ces années-là en 1997. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Et c'est un ouvrage qui va marquer beaucoup, qui va structurer le débat en fait, autour de l'engagement dans les associations, avec cette idée finalement que voilà, on irait de plus en plus vers une forme d'engagement plus distanciée. Jacques Yon, il propose l'idée du post-it, hein, cette idée qu'on peut s'engager à un moment donné dans une association, se désengager, et que le post-it qui s'opposerait au timbre qu'on paye finalement et qui fait qu'on est inscrit, affilié à une organisation. Donc l'engagement bénévole, l'engagement associatif symbolise tout ça, il est au cœur de tous ces discours dans les années 90 quand je commence à travailler. Du coup, je n'ai pas vraiment le choix en un sens, je ne vais pas y échapper à ces interrogations. Est-ce que finalement c'est un prolongement de l'engagement politique, des nouvelles formes de participation politique, une forme aussi de prolongement de l'engagement religieux qu'on peut trouver aussi pas mal aux États-Unis. Donc je vais traiter un petit peu cette question dans mon terrain franco-américain, modestement, en montrant comment il y a plusieurs formes de rapport aux politiques et à l'engagement dans les associations que je vais étudier, montrer aussi comment ces questions d'engagement vont structurer les champs associatifs, mais que pour autant, la manière dont ça structure le champ associatif ne veut pas dire que ça définit les acteurs qu'on trouve aussi dans les associations. Typiquement, je me souviens d'une journée où j'ai fait des entretiens dans une association de droit au logement qui se définit comme très militante. Et donc, le premier entretien que je fais, je posais toujours cette question, « Bonjour, vous êtes bénévole ici, est-ce que vous pouvez m'en parler ?» Et la personne qui est un des fondateurs de l'association, très engagée, me répond, « Mais moi, je ne suis pas bénévole, ici, on n'est pas bénévole, on est militant. Ici, ce n'est pas les Restos du Cœur. »
Donc les Restos du Cœur, c'est une association, je ne sais pas si vous connaissez, française, qui est assez connue, qui est une association de distribution alimentaire. Et donc, en rejetant finalement cette notion de bénévolat, ils rejettent finalement la représentation ou la symbolique à la fois de charité, d'aide sociale, etc. Donc lui, il est militant. Et puis, je finis l'entretien avec lui et je commence un entretien avec quelqu'un d'autre de l'association, une jeune fille, et qui commence par me dire, bah, en fait, moi, je viens d'arriver, mais j'hésitais entre venir ici et au Resto du Cœur, donc finalement, je suis venue ici. Donc, tout ça pour dire que ces manières dont se structure, voilà, nous parlent pas forcément, ne sont pas forcément identiques pour les individus et pour les acteurs. Mais voilà, je travaille un petit peu là-dessus, j'aborde cette question de l'engagement associatif comme forme de participation politique. Aujourd'hui, elle revient, cette question, très fortement dans les travaux des sociologues du politique, mais plutôt sous l'angle de la question de la politisation. Est-ce que les associations seraient un nouvel espace de politisation, de prise de conscience des enjeux politiques? Il y a eu notamment les travaux de Nina Eliasov, très critiques sur cette question de la politisation, qui ont relancé pas mal de recherches là-dessus. Donc voilà, j'en fais un petit peu, voilà, j'ai envie de dire presque le minimum par rapport à la question, par rapport à cette question-là, mais je le fais quand même parce que c'est une question un peu incontournable. Mais en même temps, moi, dans ma thèse, ce qui me frappe particulièrement, et c'est ce que je vais suivre comme fil par la suite, c'est une dimension d'analyse de ces pratiques bénévoles dont j'ai l'impression que mes acteurs sur le terrain me parlent énormément, qu'elle est omniprésente dans mon travail de terrain, et que par contre, je trouve très peu d'analyse sociologique sur cette question-là. C'est la question du travail, les dimensions du travail au cœur des engagements bénévoles. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces dimensions du travail? Par exemple, le fait que dans les entretiens que je fais avec les bénévoles, j'en ai fait une centaine pour ma thèse, je vais en faire ensuite dans ma seconde enquête après ma thèse sur le volontariat dont je vous parlais tout à l'heure, pareil, une cinquantaine d'entretiens. Dans les entretiens que je fais avec les acteurs engagés, je constate que le lexique du travail est en permanence mobilisé par les acteurs. C'est-à-dire, ils me répondent, je travaille ici, mon travail ici, je travaille avec, je travaille pour, idem en anglais, I work with, I work for, my work here, etc. Donc le lexique qui est mobilisé pour parler de la pratique bénévole par les acteurs, c'est le lexique du travail. À la différence près qu'aux États-Unis, c'est le registre légitime. En France, quand les acteurs se rendent compte qu'ils utilisent ce terme-là, parfois, ils se corrigent dans un deuxième temps, en disant, enfin, travail, si on peut dire travail. Et ça m'a forcé à réfléchir aussi un petit peu sur ce qu'il y avait derrière ces termes et le fait que le terme de work en anglais et le terme de travail en français n'étaient pas complètement bonne traduction de l'un de l'autre. Nous, dans le terme de travail, finalement, on a à la fois work et on a aussi labor, là où les Américains ont deux termes, effectivement, pour désigner le travail. Et c'est peut-être ça, finalement, que mes bénévoles français me disaient, attention, work, pas labor, hein, quand je dis travail. Mais en tout cas, c'est le registre lexical qui est mobilisé. Et puis derrière, les mots pour le dire, hein, on pourrait dire, les thèmes qui apparaissent dans les entretiens, les thématiques, quand je commence à analyser mes entretiens, il y a deux thématiques qui sont systématiquement là dans tous les entretiens. La première, c'est que tous mes bénévoles me parlent de ce qu'ils font, ce qu'ils font, pour qui ils le font, avec qui ils le font, comment ils ont appris à faire ce qu'ils faisaient, comment on leur apprend à gérer les erreurs, etc. Ce que, en gros, les sociologues du travail, et notamment un sociologue des professions qui s'appelle Everett Hughes, appellent la matrice sociale du travail. Ils me décrivent leur activité de travail prise dans une matrice avec des gens en direction de qui ils travaillent et des gens avec qui ils travaillent et un apprentissage de leur rôle qui est permanent. Donc, ça, c'est systématiquement là. Et puis, deuxième thématique qui revient tout le temps dans les entretiens, ils font des liens entre leur activité bénévole et la carrière professionnelle. Alors, plein de liens différents, parce qu'en fait, vous pouvez les prendre, ces bénévoles, au début, en amont de leur carrière, pendant, après. Ces liens, donc, ça peut être la carrière passée, ça peut être la carrière professionnelle actuelle, ça peut être la carrière professionnelle future. C'est parfois aussi la carrière professionnelle rêvée, hein, celle qu'on aurait souhaité avoir et qu'on n'a jamais eue, et bien finalement, là, on le fait à l'intérieur de son bénévolat. C'est aussi celle qu'on rêverait de faire plus tard, et finalement, on vient voir si on est vraiment fait pour ça, et si vraiment cette activité d'enseignement, voilà. Donc, il y a toute une série de liens, j'ai envie de dire, du plus instrumental au plus symbolique, entre la carrière professionnelle et l'activité bénévole qui est faite dans les entretiens. Donc, il y a toutes ces dimensions-là,
Et puis, il y a des dimensions que je pourrais qualifier de plus objectives, hein, que je ne retrouve pas forcément dans les entretiens, mais que je retrouve dans mes enquêtes. La thématique de la professionnalisation du bénévolat, qui est omniprésente dans les années 90, quand on commence à travailler sur le monde associatif, hein, professionnaliser les bénévoles. Et puis, 10 ans plus tard, ça va être la thématique du management des bénévoles, de la gestion des ressources humaines bénévoles, qui va être présente à la fois dans le discours des grandes associations, hein, parfois dans des publications associatives. Il y a toute une série d'acteurs qui vont arriver pour défendre, proposer des méthodes pour gérer la ressource humaine bénévole. Ça va être, il va y avoir des écrits associatifs sur ces questions-là. Donc il y a toute une littérature, il y a des outils qui se mettent en place, on pourra y revenir. Donc voilà, donc il y a cette dimension-là de la professionnalisation et du management qui est très présente. Et puis, le fait aussi, par exemple, que des bénévoles, comme ceux des Restos du Cœur dont je vous parlais tout à l'heure, en 2001, une 50aine de bénévoles des Restos du Cœur vont faire une grève pour marquer leur mécontentement ou leur désaccord par rapport à une décision qui est prise par le conseil d'administration. Donc, c'est les bénévoles qui sont en camion donc, sur Paris. Donc, c'est les bénévoles d'une soirée particulière de distribution. Ils vont se réunir et ils vont décider de ne pas, en prévenant la direction de l'association, de ne pas tenir cette distribution. Donc, de faire une grève. Il va y avoir des journalistes qui vont venir, ils vont expliquer pourquoi ils font grève. Parce qu'ils sont en désaccord avec la décision du conseil d'administration de l'association de remplacer les plats chauds qui étaient distribués par ces bénévoles par des sandwichs. Et donc, ils ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord. Et finalement, la décision a quand même été prise par le conseil d'administration. Et donc, ils décident de ne pas faire cette distribution, de prévenir en partie les bénéficiaires. Et donc, moi, j'ai suivi ce conflit, des Restos du Cœur, qui est un conflit qui est assez intéressant, parce que finalement, la direction va envoyer d'autres bénévoles pour que la distribution ait quand même lieu, et va radier une partie des bénévoles grévistes. Donc, on est dans un vrai conflit du travail, et si on veut aller regarder un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue, etc., on a besoin des outils de la sociologie du travail pour analyser ce conflit. Donc la grève, le fait que des bénévoles intentent et parfois gagnent des procès en requalification, donc en requalification en travail, donc de leur activité de bénévolat. Le fait que ce ne soit pas forcément les bénévoles, ça peut être l'URSSAF en France, ça peut être le Department of Labor qui fait ça aux États-Unis aussi. Donc il y a beaucoup de cas de requalification d'activité bénévolat en contrat de travail, donc en travail dissimulé, avec une récupération notamment des charges sociales, etc. Et parfois, c'est intéressant, contre l'avis des bénévoles eux-mêmes ou des directions d'associations qui peuvent dire mais non, moi je suis bénévole, je ne suis pas un travailleur. Et il y a eu quand même des cas de requalification là aussi. Donc ça m'interpelle ces questions-là. Et puis le fait que progressivement on voit apparaître la question de la syndicalisation, alors non pas des bénévoles mais des volontaires. Quand j'avais fait mon enquête sur le volontariat, j'y reviendrai. C'est une question qui avait été posée aussi bien en France qu'aux États-Unis par les jeunes volontaires, donc qui m'avait été posée dans les entretiens, où ils disaient « Ok, j'ai bien compris qu'en tant que volontaire, j'ai toute une série de devoirs à respecter, je dois arriver à l'heure, je dois faire ceci, j'ai signé quelque chose avec l'association, d'accord, mais mes droits, c'est quoi et qui les défend ?» Et donc, aussi bien en France qu'aux États-Unis, j'avais rencontré des jeunes volontaires qui m'avaient dit « J'ai posé la question à l'association, est-ce qu'on peut avoir un syndicat des volontaires ?» Et en fait, bon, ils avaient reçu une fin de non-recevoir. Mais cette question, en fait, elle a été posée depuis cette enquête que j'avais faite sur le volontariat. C'était entre 2002 et 2005-06. Mais cette question de la syndicalisation des volontaires, elle a été posée depuis sur la place publique par un syndicat qui est né en 2010 en France, qui s'appelle le syndicat ASSO, Action des salariés du secteur associatif, qui est un syndicat dont j'ai suivi la naissance avec mon collègue Mathieu Elie, et qui est un syndicat qui a été créé donc pour défendre les droits des salariés. Bon, en réalité, ils ont mis le S pour faire le ASSO, hein, pour le nom qu'ils vont donner, mais en réalité, c'est un syndicat pour les travailleurs associatifs, hein, puisque les gens qui ont monté ce syndicat, qui aujourd'hui est affilié à l'Union syndicale solidaire en France, les gens qui ont monté ce syndicat, une partie d'entre eux, les tout premiers qui ont construit ce syndicat, ce sont des gens qui viennent d'une association qui s'appelle Génération Précaire, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une association qui s'était mobilisée en France pour défendre le droit des stagiaires et dénoncer les abus qui étaient faits
par les entreprises, mais aussi par les associations et par les services publics, du statut de stagiaire, et qui ont réussi, donc cette association Génération Précaire, on en reparlera, a réussi à obtenir une loi qui va faire qu'au-delà d'un certain temps, on est obligé de rémunérer les stagiaires en France. Et donc, c'est une partie des gens de Génération Précaire qui vont créer ce syndicat ASSO, et du coup, quand ils montent ce syndicat ASSO, ils disent on va syndiquer les salariés du secteur associatif, mais aussi les stagiaires dans le secteur associatif. Et le premier, il naît en 2010, le tout premier dossier sur lequel ils veulent se positionner, c'est sur la question des volontaires, puisque le service civique vient d'être voté en France, et la question de la syndicalisation des volontaires. Donc cette question, finalement, elle a été portée aussi sur la place publique depuis. Donc vous voyez bien, plus j'avançais dans mes enquêtes, dans ma thèse, mais aussi au fur et à mesure dans les enquêtes qui ont suivi, plus j'avais ce sentiment d'un décalage, finalement, entre ce que je percevais sur le terrain et la manière dont il me semblait nécessaire d'aller chercher, finalement, les outils de la sociologie du travail pour analyser ce que je percevais sur le terrain, et de l'autre côté, la manière dont la sociologie s'était emparée de cet objet bénévolat, en le confiant pour une bonne partie, à quelques exceptions près, on y reviendra, mais pour une bonne partie à la sociologie politique. La question bénévole, c'était la question de l'engagement, la citoyenneté, c'était la sociologie politique qui s'en occupait. Et les sociologues du travail, généralement, quand ils abordaient ces questions-là, c'était souvent justement pour dire, là, le bénévolat, c'est là où s'arrête le périmètre de définition de la sociologie du travail. C'est le hors-travail, c'est le non-travail. C'est le cas, par exemple, de Friedman qui va parler de ses activités de loisirs en dehors du travail. Donc, à quelques exceptions près quand même, puisque la question du travail bénévole était mentionnée dans quelques textes d'Eliot Friedson sur les professions artistiques, on en reparlera un petit peu plus tard, dans les travaux de Robert Stebbin sur les amateurs, dans l'ouvrage de Charles et Christy Lee, Work Under Capitalism, qui regarde les différentes formes de travail, de contrat-travail et qui évoque la question du travail bénévole. Mais jamais, donc la question du travail bénévole a pu être abordée par ces sociologues du travail ou de l'emploi, mais jamais, sans jamais faire l'objet véritablement d'une analyse empirique, d'une analyse de terrain. À une très belle exception près, l'ouvrage d'une sociologue américaine qui s'appelle Arlene Kaplan-Daniels, donc nom de famille c'est Kaplan-Daniels, qui est une sociologue américaine élève de Hughes, dont je vous parlais tout à l'heure, ce sociologue des professions, et qui est aussi féministe, et qui va mener une grande enquête sur des femmes bénévoles sur la côte est des États-Unis, dans une petite ville qu'elle va rebaptiser Pacific City, côte ouest, pardon, des États-Unis. Et elle va faire une enquête sur ces femmes-là, et elle va publier un livre, donc en 1987, qui s'appelle « Invisible Careers, Women Civic Leaders from the Volunteer World », donc des carrières invisibles, les femmes leaders civiques dans le monde du monde bénévole. Et en fait, dans ce très beau livre, cette sociologue va se proposer d'analyser comme des carrières professionnelles les carrières invisibles de ces femmes qui sont bénévoles à temps plein, souvent tout au long de leur vie, dans des associations locales qu'elles rencontrent donc à la fin des années 70. Et ces femmes sont issues de milieux sociaux très privilégiés, on va dire, privilégiés ou très privilégiés, des milieux sociaux dans lesquels, à la fin des années 70, l'investissement dans la vie professionnelle des femmes n'est pas très bien vu. Et ce que nous montre Kaplan-Daniels, c'est qu'on attend plutôt, finalement, de ces femmes-là qu'elles soient des bonnes mères ou des bonnes épouses que des bonnes travailleuses. Et elles vont investir cette activité bénévole, ces carrières bénévoles. Elles parlent de carrière en montrant comment elles vont évoluer aussi, en passant des paliers, en se professionnalisant, en se spécialisant pour certaines d'entre elles, et pour quelques-unes en passant sur le marché du travail rémunéré, mais très peu finalement. Mais elles nous montrent surtout comment, par leur engagement dans le travail bénévole, elles vont réussir à conjuguer leur désir de carrière et puis les normes sociales qui pèsent sur les femmes dans leur milieu professionnel. Et donc, elles nous montrent comment... Finalement, elles articulent ce désir de carrière et les normes de genre qui structurent leur milieu social, tout en assurant, même si elles s'en défendent, mais elles le montrent aussi dans l'ouvrage, finalement la reproduction d'un certain intérêt de classe au niveau local. Et donc, cette sociologue Arlene Kaplan-Daniels, elle est à la fois donc,
élève de Hughes, donc elle maîtrise, elle utilise en permanence ces outils de la sociologie du travail et de la sociologie des professions. Et en même temps, elle est féministe et elle va mobiliser les travaux des féministes sur le travail invisible. Et c'est cette approche féministe du travail qu'elle va finalement me faire, en un sens, découvrir ou redécouvrir, où je vais réaliser que finalement, ce souhait d'aller analyser le bénévolat comme du travail et de porter un regard de sociologue du travail sur cette pratique bénévole, il s'inscrit finalement dans le mouvement qui a été, 40 ans plus tôt, celui des féministes, de regarder les activités domestiques comme du travail et de proposer la notion de travail domestique pour les étudier. Quand on regarde les activités domestiques, le ménage, les courses, la préparation du repas, mais aussi le soin qu'on va apporter à la famille, etc., comme du travail, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la question qu'ont posée les féministes, finalement. Qu'est-ce que ça change dans notre regard sur la famille, sur le couple, sur l'amour, mais aussi dans notre regard sur le travail ? Comment ça transforme finalement notre regard sur ces institutions ? Sur le travail, par exemple, le fait de le penser comme visible et invisible, le fait de le penser comme rémunéré et gratuit, le fait de le penser comme un travail de production, mais aussi un travail de reproduction. Donc voilà, je vais m'inscrire finalement dans ce regard-là, et on aura le temps de revenir beaucoup plus en détail là-dessus. Et c'est en ce sens que je prends cette notion de travail bénévole et que je vais prendre cette notion de travail gratuit en rappelant et en précisant, et ça me semble vraiment important, que parler de travail, par exemple pour le bénévolat, parler de travail bénévole, ça ne veut pas dire que le bénévolat n'est que travail. Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment été, à mon sens, étudié comme tel, qu'il n'a pas suffisamment été regardé comme tel. Et c'est faire un petit peu, ce que je vous propose là, à ma moindre mesure, c'est reprendre un petit peu la proposition qui a été celle du sociologue Erving Goffman, je ne sais pas si vous connaissez, quand il a analysé les institutions psychiatriques, donc dans ce livre assez connu qui s'appelle « Asile », où Goffman se propose d'analyser l'institution psychiatrique à partir du regard du patient, du malade en fait. Et Goffman dit bien dans l'introduction, et je crois que c'est aussi Castel qui le reprend dans la préface, hein, Goffman ne prétend pas que le regard du patient sur l'institution psychiatrique, c'est le seul regard qu'on puisse tenir sur cette institution. Mais il dit, je vais céder à la partialité pour rétablir l'équilibre, en disant, jusqu'à présent, le regard qui a surtout été posé sur l'institution psychiatrique, c'est celui du médecin. Donc, cédons à la partialité pour rétablir l'équilibre. En un sens, c'est ce que j'ai essayé de faire, et je ne suis pas toute seule avec d'autres sociologues, finalement, qui ont cherché à mobiliser la sociologie du travail pour cet espace associatif. On a cherché, finalement, à céder un peu à la partialité en partant, finalement, vers cette analyse du travail pour rétablir l'équilibre et ne pas voir dans ces mondes-là que des mondes de l'engagement, mais regarder comment ils sont aussi des mondes du travail et les pratiques aussi. Donc voilà pour cette question de travail, comment j'entends ce terme-là. Donc vous entendez bien hein, dans ce que je vous dis là que je ne vous donne pas une définition de ce terme de travail et que finalement j'en mobilise plusieurs et on pourra y revenir dans la discussion. Je suis bavarde, hein, donc je risque... À un moment donné, peut-être quelqu'un pourra me faire signe. D'accord. Non, mais Esteban, n'hésite pas, parce que je suis bavarde, vous allez voir, je prévois beaucoup, et en plus, souvent, j'en dis plus. Donc, il faut m'arrêter. Alors, deuxième point, en quoi, jusqu'où, pour qui ce travail est-il gratuit ? Donc, le deuxième terme, finalement, de ma proposition. Là aussi, pour aborder cette deuxième question dans sa complexité, je vais vous proposer de partir du terrain. De mes terrains, hein, puisque c'est ceux que je connais le mieux. Je ne parlerai pas que de mon travail, évidemment, mais je me disais que c'était important aussi de présenter, de dire un peu d'où je parlais, en fait, aujourd'hui, ça me tombe toujours important. Et donc, cette fois, c'est cette enquête que j'ai menée donc, avec mon collègue américain John Krinsky aux États-Unis, donc à New York uniquement, et donc qui a fait l'objet donc, d'un livre qui n'est pas encore... Je viens de recevoir l'exemplaire, mais il n'est pas encore sorti. Il sort cette semaine, en fait, aux États-Unis, « Who Cleans the Park ?» Et donc, cette enquête qui a été faite sur la ville de New York uniquement, entre 2008 et 2011, donc avec ce collègue John Krinsky, on fera un petit retour sur le terrain en 2014,
Elle portait sur quoi? Donc, elle portait sur un petit service public de la ville de New York qui est l'entretien des parcs municipaux de la ville. Donc sur le département des parcs, qui est chargé de l'entretien des parcs municipaux, qui sont donc des parcs publics. Et l'enquête qu'on a menée avec John Krinsky, elle s'appelle, le livre, on a réussi à faire que le livre s'appelle de la même manière que la question qu'on s'est posée au départ, en fait, dans laquelle on est rentré dans cette enquête, « Who cleans the park ?»« Qui nettoie le parc ?» Et donc le pitch, si je peux dire, de cette, si j'avais à vous présenter comme ça un peu à cette question-là, c'est le suivant. Donc, en 1975, à la veille de la grande crise budgétaire de la ville de New York, les parcs de la ville de New York sont nettoyés par 7000 employés municipaux, qu'on appelle des parkies, communément à New York. Ces employés municipaux, qui sont pour une bonne partie d'entre eux des hommes, non seulement ils sont employés municipaux, ce qui veut dire qu'ils bénéficient des règles des Civil Service Rules, donc de la fonction publique municipale américaine, mais en plus, ils sont syndiqués. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques idées du droit syndical aux États-Unis, mais le droit syndical aux États-Unis a été donné au secteur privé en 1935, alors que dans le secteur public, il a fallu que les gens se battent localement, dans les États, dans les villes, en profession par profession, pour l'obtenir. Et ces parkies, donc, de la ville de New York, ils symbolisent, en fait, l'emploi public protégé, parce qu'ils ont obtenu ce droit syndical. Ils l'ont obtenu, c'est les premiers employés municipaux, ou dans les premiers employés municipaux de la ville de New York à l'avoir obtenu. Ils se sont bien battus pour ça, ils l'ont obtenu en 1958. Il y a eu notamment, j'aurais pu vous emmener la photo d'ailleurs, il y a eu notamment une manifestation qui a marqué les esprits un peu à New York, où ils se sont enfermés dans le zoo de Central Park, dans une cage, en mettant donc une pancarte devant, en disant qu'ils étaient une espèce non protégée, etc. Donc voilà, ils ont fait vraiment, ils se sont beaucoup mobilisés, et ils ont gagné donc la protection syndicale, le droit donc que leurs conditions de travail soient négociées par des syndicats avec la municipalité. Donc, ils étaient 7000, ces parkies, dans les années 75, avant la grande crise budgétaire de la ville de New York. Ensuite, New York rentre dans une grande crise budgétaire, je ne rentrerai pas dans le détail, là aussi, on pourra en reparler. Et aujourd'hui, on va dire en 2008, quand on commence l'enquête, ou 2007-2008, quand on commence l'enquête avec John Krinsky, ils sont plus que 2000, ces parkies. Et la question qu'on pose donc avec John, c'est... Et donc, qui nettoie le parc? Puisque les parcs de la ville de New York, dans les années 2000, ils ont l'air beaucoup plus propres que les photos qu'on voit des parcs dans les années 70-80. Alors évidemment, si on pose la question, c'est qu'on a quand même déjà quelques petites idées en tête, et c'est ça qu'on veut aller étudier. Et ce qu'on va étudier, ce qu'on va chercher à montrer et à analyser, c'est la démultiplication de statuts de travailleurs dans ce petit service public municipal de New York, où effectivement, on a toujours des parkies, mais en nombre bien moindre, puisque finalement, ils ne vont pas être renouvelés pour une bonne partie d'entre eux. On va avoir des associations de protection de la nature, de préservation de l'environnement, qui s'appellent aux États-Unis des conservancies, qui vont apparaître dans les années 90 sur les plus grands parcs de la ville. Donc, vous en avez une à Central Park, la Central Park Conservancy, vous en avez une à Prospect Park, dans Brooklyn, donc la Prospect Park Alliance, vous en avez une à Bryant Park, à Manhattan. Donc, ces associations vont apparaître et elles vont passer des contrats avec la ville de New York pour se charger elles-mêmes de l'entretien des parcs municipaux en embauchant donc leur propre main-d'œuvre, qui seront donc des salariés associatifs. Dans certains parcs, ces salariés associatifs vont remplacer les fonctionnaires, les employés municipaux. Dans d'autres parcs, ils vont cohabiter. Alors, à Central Park, par exemple, il y a un petit espace du parc, toujours aujourd'hui, si vous y allez, vous penserez à moi, il y a un petit bout du parc où il y a des employés municipaux uniquement. Donc, c'est un sixième du parc qui est resté nettoyé uniquement par les employés municipaux. Et le reste, c'est des salariés associatifs. À Bryant Park, il n'y a plus d'employés municipaux, il n'y a plus que des salariés de la Bryant Park Corporation. Et puis à Prospect Park, par exemple, à Brooklyn, ils travaillent tous ensemble. Et il y a même des organigrammes qui mélangent les deux. Donc vous avez plein de situations différentes avec donc, l'arrivée de ces salariés associatifs. Mais il n'y a pas que ces salariés associatifs dont on a étudié l'arrivée, etc.
Il y a aussi la mobilisation très forte, donc dans les années 90, pour l'entretien des parcs, de ces allocataires du Workfare, dont je vous ai montré une photo tout à l'heure, c'est Webb qui nettoyait les rues de New York avec leur gilet orange. Et ben, dans les années 90, oui, ils vont nettoyer les rues, mais ils vont aussi nettoyer par milliers les parcs de la ville. Donc, dans les années 90, on compte jusqu'à 6000 Webb, donc personnes en programme de Workfare, qui vont être envoyées pour nettoyer les parcs de la ville de New York. Et quand je dis nettoyer, c'est entre 25 et 30 heures par semaine. Donc on est sur une main-d'œuvre qui va être mobilisée par la municipalité. Donc d'un côté, ces allocataires de l'aide sociale qui arrivent dans les parcs par milliers. Et puis de l'autre côté, le développement de plusieurs formes de bénévolat en nombre croissant dans la ville de New York. Donc d'abord, du bénévolat, on va dire, associatif, des associations de voisins. Donc comme ça a l'air assez informel, c'est l'association des voisins du parc machin qui se mobilise, qui vient nettoyer, qui vient faire du jardinage, qui parfois va même avoir les clés du parc, etc. Mais en fait, quand vous creusez un petit peu derrière, vous vous rendez compte que derrière le développement de toutes ces petites associations dans différents endroits de New York, on les appelle les Friends of, donc les amis du parc Intel. Et bien derrière, il y a une structure qui s'appelle Partnership for Park, le partenariat pour les parcs, qui est financé en partie par la ville de New York et en partie par une grande fondation, la City Park Foundation, qui cherche donc à développer l'engagement bénévole dans les parcs de la ville de New York. Donc vous avez ces bénévolats-là, vous avez des bénévolats d'entreprise qui va se développer de plus en plus. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie aux travaux d'Anne Bory sur ces questions-là. Donc des entreprises qui finalement, pour faire du mécénat, au lieu de donner de l'argent pour des œuvres d'art ou même pour des associations, vont envoyer leurs salariés faire du bénévolat dans les parcs et en échange, elles vont donner de l'argent pour payer la journée. Il y a des prix à la tête, en fait. Elles vont donner de l'argent au département des parcs ou à l'intermédiaire qui est Partnership for Park. Et puis, vous pouvez même, dans la ville de New York, faire du bénévolat individuel. Vous habitez à côté d'un parc, vous avez le droit de descendre et d'aller faire du nettoyage ou du jardinage dans la ville. Mais depuis 2005, vous devez quand même avoir un permis de bénévolat qui est donné par la municipalité de New York pour des raisons notamment d'assurance. Donc voilà les trois formes de bénévolat qui se développent très fortement à cette époque-là. Et du coup, c'est là-dessus qu'on a travaillé donc avec mon collègue John Krinsky, en s'intéressant notamment à ces deux catégories de travailleurs qui sont donc, travailleurs au sens où vous les voyez effectivement travailler dans les parcs, mais qui ne sont pas traditionnellement pensés comme des travailleurs. D'un côté, les allocataires de l'aide sociale et de l'autre côté, les bénévoles. Donc on s'est intéressé à ces deux formes de travail gratuit et pourtant vous sentez bien que quand je parle d'un côté des bénévoles et de l'autre côté des allocataires de l'aide sociale, le terme gratuit ne prend pas le même sens pour les deux. Alors si on regarde les bénévoles, effectivement les bénévoles ne sont jamais les bénévoles, tous ceux qu'on a étudiés, quelles que soient les formes de bénévolat que je vous ai présentées. Ce travail des bénévoles n'est jamais rémunéré monétairement. Éventuellement, il peut être peut-être défrayé, mais là, ce n'est pas vraiment le cas. On peut avoir des compensations. Par exemple, nous, on a fait du bénévolat à Brooklyn. Eh bien, quand il y a du bénévolat d'entreprise qui est là, par exemple, on vous offre des cafés, on vous offre des croissants, on vous offre des gâteaux, etc. Voilà, donc il peut y avoir des petits avantages. Mais il n'y a pas de rétribution monétaire. Donc, en ce sens, le travail des bénévoles est vraiment gratuit au sens qu'on a en tête quand on dit travailler gratuitement. Donc elle est gratuite pour celui qui l'exerce, mais la mise au travail des bénévoles, elle coûte de l'argent. Donc ce n'est pas gratuit comme ça non plus, puisque ce partenariat pour les parcs, par exemple, dont je vous ai parlé, dont l'objectif est de faire qu'à terme, tous les parcs de la ville de New York puissent avoir son association de bénévoles qui veille sur le parc, ce partenariat pour les parcs, il est financé à moitié par la fondation City Park Foundation, mais à moitié aussi par la municipalité. Il est financé à moitié par la municipalité et même les salariés qui travaillent à la direction, par exemple, de ce partenariat pour les parcs, ils ont la moitié de leur salaire qui est financé par la fondation et l'autre moitié de leur salaire qui est financé par le département des parcs. Donc, en fait, quand ils vous donnent leur carte de visite, c'est assez drôle, avec la même adresse email, il y a deux titres différents, un titre privé et un titre public. Donc il y a de l'argent. Il y a aussi dans les grandes associations dont je vous parlais, celles qui gèrent Central Park, celles qui gèrent Prospect Park, celles qui gèrent le nettoyage de Bryan Park, on a aussi des programmes de bénévolat qui sont proposés par ces grandes associations.
aux citoyens new-yorkais. Et on a des coordinateurs de ces programmes. Par exemple, à Central Park, vous avez plusieurs programmes de bénévolat. Il y a des programmes où vous pouvez venir comme ça le samedi matin, vous nettoyez un bout du parc, vous éventuellement faites un peu de jardinage s'il y en a, mais sinon c'est juste du nettoyage, vous repartez, voilà. Mais il y a aussi des programmes beaucoup plus soutenus où vous engagez à venir tous les mardis matins de 9h à 12h30 en travaillant en tête-à-tête avec une équipe. Donc il y a des gens qui coordonnent en fait ces programmes de bénévolat. Et ces gens-là sont dans certaines de ces associations, payés aussi par la municipalité. Donc voilà, c'est, en un sens, vous voyez, comme c'est gratuit pour le bénévole, mais ce n'est pas complètement gratuit non plus pour la municipalité. La mise au travail des travailleurs gratuits, elle peut coûter de l'argent aussi. De même, du côté des allocataires de l'aide sociale, le travail n'est pas exercé gratuitement dans un sens identique à celui des bénévoles. Quand on prend les allocataires de l'aide sociale dont je vous ai parlé, ceux en web, hein, vous avez compris qu'ils ne touchent pas d'argent pour le travail de nettoyage qu'ils vont faire, hein. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que s'ils ne le font pas, on peut leur supprimer leur allocation, mais ils ne sont pas payés en plus pour le faire. Hein. Et donc, il n'y a pas de rémunération, mais c'est considéré comme en contrepartie de leur allocation, du maintien, on va dire, de leur allocation. Mais à côté de ces allocataires, je vais dire au workfare pur, donc ceux qui vraiment vont faire des heures contre leurs allocations, et parce que ça a été fortement critiqué, cette utilisation par la ville de New York de tous ces allocataires à l'aide sociale par milliers pour nettoyer les parcs, les rues, etc. Il y a eu des mobilisations dans les années 90 pour dénoncer cette utilisation justement du travail gratuit des allocataires de l'aide sociale. Mobilisation notamment par les syndicats, par des avocats, par des associations. Et du coup, il y a eu de moins en moins de recours à ces types de programmes purs, j'ai envie de dire, de workfare. Et ont été mis en place dans les années 90 et 2000 des programmes qu'on appelle de transition du welfare à l'emploi, donc de transition de l'aide sociale au travail, dans lesquels les personnes sont un petit peu rémunérées, mais moins qu'un employé municipal qui va faire le même travail, ont quelques droits sociaux, et notamment les syndicats vont finir par les représenter, au début non, mais finalement les syndicats vont les représenter, mais en les représentant à part, dans une association particulière, ils vont payer des cotisations, mais beaucoup plus faibles, mais par exemple, ils n'auront pas le droit d'élire leurs représentants syndicaux. Donc, on est dans des statuts hybrides, en fait, qui vont se développer entre le workfare pur et l'emploi, avec un espèce de continuum dans ces différents programmes. Mais, qu'on parle du workfare pur, ou qu'on parle de ces programmes de transition, ces programmes transitionnels entre welfare et emploi, hein, qui durent à peu près 6 mois, on va dire, hein, pour les gens, ça revient exactement la même chose à la ville de New York, puisque ces programmes ne sont pas payés par la municipalité de New York, cette aide sociale ou même les salaires sont financés au niveau de l'aide sociale qui est donnée au niveau des États et au niveau fédéral. Donc la ville de New York a juste une toute petite contrepartie à verser pour embaucher, entre guillemets, ces travailleurs-là. Donc finalement, ça lui coûte presque plus d'argent de mettre au travail les bénévoles, qui sont des vrais travailleurs gratuits puisqu'ils ne touchent rien, que de mettre au travail des allocataires de l'aide sociale. Donc vous voyez comment, je vous donne encore un exemple là-dessus, mais juste pour que vous voyez comment cette question en fait, du travail gratuit, elle mérite d'être décortiquée et de poser justement la question jusqu'où et pour qui. Je pose un autre exemple d'actualité en France. Le service civique dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai montré les photos, les jeunes avec les gilets bleus là. Ce service civique, donc, il donne droit à une indemnité. Alors c'est bien, ça a été bien écrit plusieurs fois. Il n'y a pas de lien de subordination, donc ce n'est pas du travail, donc on est en dehors du droit du travail, donc ce n'est pas un salaire qui rémunère le travail, c'est une indemnité pour pouvoir exercer son volontariat. Donc cette indemnité qui est d'environ 570 € par mois à peu près, pendant longtemps, dans les statuts précédents, en fait, avant le service civique, on a eu 3 ou 4 statuts en France, l'indemnité, l'État avait construit ce statut-là, mais l'indemnité, elle était payée par les associations. Donc si l'association voulait un service civique, il fallait qu'elle paye cette indemnité-là. Et puis, petit à petit, on leur a donné la possibilité d'aller demander de l'argent pour leur payer les services civiques. Et aujourd'hui, avec le nouveau statut qui existe depuis 2010, donc le service civique, c'est l'État qui finance. C'est l'État qui finance les services civiques aujourd'hui. Donc, ça ne passe plus par les associations. Donc,
les services civiques qui sont dans les associations, si vous les regardez comme des formes d'engagement, c'est de l'engagement associatif. Si vous les regardez comme des travailleurs, ce sont des travailleurs publics, puisqu'ils sont payés 570 euros, donc on est en deçà de tous les minima. Ils sont payés 570 euros par l'État, donc pour leur engagement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie politique, j'y reviendrai aussi en France, depuis François Hollande notamment, qui l'a vraiment mise en œuvre, d'universaliser ce dispositif de service civique. Donc l'État fait pression pour qu'à terme, on ait, je ne sais pas, 50%, voire toute une génération qui s'engage dans le service civique. Donc il y a une pression qui est faite sur les associations pour prendre des services civiques le plus possible, donc qui est faite par les ministères, etc. Au moment même où les associations, ça a été montré par les travaux de Mathieu Elie, de Viviane Tchernonog, de Didier Archambault, donc sur les transformations du financement associatif, au moment même où les financements associatifs par l'État et les collectivités locales diminuent en France, et surtout sont de moins en moins stables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais en France, les associations qui pendant longtemps pouvaient vivre sur des subventions qui étaient reconduites, soit par les ministères, soit par les collectivités locales, aujourd'hui, le financement principal, c'est des appels d'offres, des appels à projets, donc des financements qui ne sont pas des financements pérennes, des financements qu'on rejoue à chaque fois. Et ce type de financement, plus la baisse des finances publiques, fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les associations de construire de l'emploi associatif, alors que c'était un secteur de développement de l'emploi associatif, de l'emploi en France, enfin, tout simplement, à des vitesses exponentielles pendant les 30 dernières années. Et donc, depuis quelques années-là, l'emploi associatif commence à diminuer. Donc, vous êtes une association en France, vous avez de moins en moins de possibilités de recruter un salarié en emploi classique, etc. Par contre, vous avez l'État qui vous fait pression pour prendre des services civiques que vous ne payez pas. D'accord ? Il y a 100 euros, normalement, qui peuvent être donnés en nature ou en hébergement par les associations, mais qui peuvent en fait même être prises en charge par l'État si elles font une demande pour certaines d'entre elles. Donc, ça ne vous coûte rien. Tant et si bien qu'on en arrive en France. Moi, j'ai enseigné longtemps dans un master qui s'appelait Action publique, Action sociale, avec Mathieu Elie, qui était un master qui visait à former des gens qui allaient travailler soit dans les collectivités locales, soit dans les associations. Et il y avait des stages professionnalisants qui étaient proposés, puisque c'était un master professionnel, donc il y avait des stages qui devaient être faits par les étudiants, des stages qu'on leur conseillait de faire plutôt de 3 mois, en leur disant « partez pas sur quelque chose d'énorme », en plus pensez qu'à partir de 2 mois, vous êtes indemnisé, puisque ça a été gagné par génération précaire, donc vous avez quand même une indemnité, donc partez sur des stages de 3 mois. Et de plus en plus, on a vu nos étudiants qui allaient demander des stages dans des associations, et les associations leur répondaient « on ne peut pas vous prendre en stage, mais par contre, on peut vous prendre en service civique. » Parce qu'en fait, ça leur coûtait beaucoup moins cher de prendre un jeune en service civique pendant 6 mois ou 1 an que de prendre un stagiaire pendant 3 mois. Donc, vous voyez comment il y a des jeux autour de ces statuts. Le fait que le service civique aujourd'hui soit financé par l'État fait qu'il devient du coup donc, du travail gratuit pour les associations à un moment donné où elles sont dans un problème de financement assez crucial. Donc voilà un petit peu les enjeux que... On pourrait prendre d'autres exemples, mais les enjeux que je voulais un petit peu soulever devant vous. Donc vous voyez, travail, ça reste un terme finalement à construire. Gratuit, vous voyez bien que c'est une question complexe. Donc vous saisissez ce que je voulais vous dire en vous disant « je ne vous donne pas une boîte en disant ça, c'est du travail gratuit, ça n'en est pas. Je vous propose des lunettes pour aller regarder en fait » ces différentes formes d'activités dont le point commun est qu'elles ne sont pas reconnues socialement comme du travail, qu'elles sont reconnues avant tout comme de l'engagement, comme de la formation, comme de la citoyenneté, comme de l'assistance, comme de la passion, comme de l'amour aussi, puisqu'on parlera du travail domestique tout à l'heure, enfin la prochaine fois. Donc ces activités qui sont aussi de l'engagement, de la citoyenneté, de la passion, elles sont socialement déniées comme travail, et elles sont déniées comme travail au nom de cet engagement, de cette passion, de cette formation, alors même que les acteurs parfois, mais d'autres, les associations, les entreprises, les services publics, vont les mobiliser à certains moments comme des formes de travail. Donc voilà, c'est autour de ce processus-là
que je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu. Et donc ce regard que je vous propose, c'est un regard qui ne prend pas comme établi les frontières du travail, c'est du travail ou c'est pas du travail. Finalement, j'aime bien cette phrase d'une féministe française qui s'appelle Christine Delphi, qui disait à propos du travail domestique, « Aborder le rôle des femmes d'un point de vue économique, c'est voir le travail ménager comme un travail, et réciproquement, voir le travail ménager comme un travail, c'est prendre un angle économique. Ça ne signifie pas que ça soit la seule façon d'aborder ce fait. Quand on l'aborde d'un autre point de vue, par exemple du point de vue de la théorie des rôles, le travail ménager n'est plus du travail, il ne l'était pas avant le mouvement des femmes, c'est un violon dingue, une création, une preuve d'amour, un trait de caractère, bref, tout et n'importe quoi sauf du travail. » Donc voilà, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop, mais ce n'est pas grave, on avancera avec cette définition-là ou ce regard-là sur le travail. Et ce que je vais vous proposer, donc, dans un premier temps, puisque je viens de citer... ce plan donc, des séances, la première séance, donc justement, elle sera consacrée... Moi j'avais mis des jolies couleurs, mais en fait on m'a conseillé de vous donner celle-là parce que du coup, vous avez les dates et les lieux. Donc la première séance, elle sera consacrée donc demain. Je l'ai intitulée donc « Au nom de l'amour, le travail domestique ». Elle sera consacrée, je reviendrai sur cette première forme de travail gratuit qui a été mise en lumière par la révolution tout à la fois scientifique et politique proposée par... les féministes avec cette notion de travail domestique. Donc on reviendra d'abord là-dessus parce que je pense que ça permet d'ouvrir toute une partie des questions et qu'en plus, ça ne fait pas de mal d'en reparler parce que comme vous verrez, cette question du travail domestique, elle est loin d'avoir été réglée, même si on a construit des outils à la fois statistiques et théoriques pour la penser. Ensuite, je reviendrai sur ces différentes formes politiques du travail gratuit sur lesquels moi j'ai plus directement travaillé, le bénévolat, le volontariat et le workfare. Et autour notamment de, en vous montrant finalement comment au nom de la citoyenneté, ces différentes formes de travail gratuit s'inscrivent dans des politiques du travail et de l'emploi, en essayant de prendre des exemples, pas uniquement sur la France, mais aussi d'autres pays européens et puis sur l'Amérique. Je reviendrai ensuite, donc ce sera la troisième séance, sur un espace de pratique et de travail qui a relancé très récemment la question du travail gratuit, en fait. Celui d'Internet, des plateformes, de l'économie collaborative, où il y a eu une production, d'abord par des chercheurs américains, qui se sont donné le terme de digital labor, qui ont cherché à réfléchir à cette question de mise au travail sur Internet. Et donc, j'essaierai de revenir un petit peu sur la manière dont cette question a été reposée dans ce cadre particulier des plateformes, en essayant de montrer, de réfléchir en fait à la nouveauté ou pas de cette forme de travail gratuit. Donc on reviendra là-dessus en l'interrogeant au regard de sa nouveauté. Et puis ces différentes formes de travail gratuit présentées, j'essaierai là, dans un quatrième temps, donc travail gratuit, rapports sociaux et marché du travail, J'essaie vraiment de les mettre en perspective en vous montrant les rapports sociaux qui s'y révèlent. Pour le dire autrement, en vous montrant que le travail gratuit des uns, ce n'est pas le travail gratuit des autres et que parfois même à l'intérieur d'un même statut, on a des usages différents, des rapports différents à ce travail gratuit en fonction des classes sociales notamment. Et donc j'essaierai de revenir un petit peu sur la division sociale, sexuelle, raciale aussi du travail gratuit. Et les enjeux que ça pose, finalement, la manière dont ça nous oblige aussi peut-être à repenser un petit peu la notion d'exploitation aujourd'hui. Donc voilà, là, je vais vous présenter des pistes d'analyse, des perspectives un peu sur ces questions-là, mais en réinscrivant ça dans le fonctionnement du marché du travail. Et puis, dans la toute dernière séance, en repartant de différentes études de cas, la grève des bénévoles dont je vous ai parlé tout à l'heure des Restos du Cœur, la syndicalisation des volontaires, ce dont je vous ai parlé, mais aussi la syndicalisation des pompiers volontaires sur lesquels Romain Pudal, un collègue français, a beaucoup travaillé, donc je vous en reparlerai, ou la syndicalisation des allocataires de l'aide sociale, la requalification des stagiaires, des bénévoles, le procès des blogueurs dont je vous ai parlé. Bref, j'essaierai de réfléchir avec vous
aux différentes formes de conflictualité du travail gratuit, aux répertoires dans lesquels, finalement, les travailleurs gratuits se sont mobilisés et aux enjeux que ces répertoires d'action et ces revendications soulèvent aujourd'hui pour les organisations collectives qui cherchent à représenter et à défendre les travailleuses et les travailleurs. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Désolée si j'ai été un petit peu longue, mais je vous remercie de votre attention. Vous l'avez coupé ? Non. Je vais l'enlever.